pourquoi la maladie et la douleur existent. Pourquoi souffrons-nous? Qu'est-ce qui apporte le bonheur? Et d'où vient la douleur? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi moi? Comment puis-je devenir chanceux comme les autres? Pourquoi la vie est-elle injuste? Le destin existe-t-il? Pourquoi mon destin est-il comme ça? Puis-je le changer? Comment? Toutes ces questions ont préoccupé de nombreuses personnes à travers les âges. Une logique supérieure est nécessaire pour répondre à ces questions. Cette logique est résumée dans la loi du karma. Le Seigneur Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique le karma. Jésus-Christ, le Sauveur dans la Bible, parle du karma lorsqu'il dit « Celui qui sème le vent récolte la tempête ». Le gourou Nanak parle de l'importance des bonnes œuvres dans son discours. De même que le prophète Mahomet. Ils parlent tous de la même chose, la loi du karma. Le mot karma vient du sanskrit et signifie en lui-même loi d'action et de conséquence. Évidemment, il n'y a pas de cause sans effet, ni d'effet sans cause. En physique, la première loi de la thermodynamique affirme que chaque action a une réaction égale et opposée. Ce n'est autre que la loi du karma. Chaque action va conduire à une conséquence. Il n'y a pas de conséquence que vous puissiez voir aujourd'hui qui ne vienne d'une action dans le passé. Une action d'aujourd'hui va toujours conduire à une conséquence dans le futur. Tout ce que nous faisons doit être payé. Dans le langage courant, les gens disent « il n'y a pas de repas gratuit ». La loi de la balance, la terrible loi du karma, gouverne tout le créé. Que cela nous plaise ou non, que nous y croyons ou non, toute cause devient un effet, et tout effet se transforme en cause, qui conduit à un effet futur. Et c'est comme cela que la roue de la vie, la roue du destin continue. Il est urgent de comprendre ce qu'est cette loi de compensation. Il est urgent de vivre sagement avec l'aide de cette loi. Sinon, nous pouvons tomber dans l'erreur et continuer de souffrir. Donc, vous êtes en train de confirmer que le destin existe. Oui, avant cette vie que nous avons actuellement, nous avons eu non seulement une existence antérieure, mais beaucoup d'autres. Chacun naît selon son propre destin. Les uns naissent dans des familles riches et très fortunées, et d'autres reviennent ou retournent parmi des gens pauvres et misérables. Nous avons fait le bien dans notre existence passée, nous en recevons le prix maintenant. En revenant dans des foyers où rien ne nous manque et où nous avons toutes sortes de commodités. Si nous avons fait le mal, si nous avons gaspillé notre argent, si nous avons été avares, si nous avons exploité les autres, si nous avons commis l'erreur de voler ou de ruiner les autres, si nous avons abusé de l'argent, il est évident que nous reviendrons parmi des familles misérables, revêtues de corps de mendiants, malheureux, affamés et sous-alimentés. Ainsi, chacun recueille le fruit de ses propres actions. Vous récolterez ce que vous semez. Mais pourquoi cette loi est-elle nécessaire? Pourquoi n'importe quelle loi est nécessaire? Pourquoi ne pouvons-nous avoir la liberté de vivre comme nous le voulons? Nous avons déjà reçu la liberté, le libre arbitre, et nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais il est clair que nous devons être responsables de tous nos actes devant Dieu. Nous pouvons faire ce que nous voulons avec notre liberté, mais notre liberté ne doit pas porter atteinte à la liberté des autres. Si cela affecte les autres d'une façon positive, si nous ajoutons à leur liberté ou à leur bonheur, alors nous avons fait une bonne action et nous recevons du bon karma ou dharma pour cela. Mais si notre liberté d'agir affecte la liberté des autres d'une façon négative, en rendant les autres malheureux, alors nous recevons du mauvais karma.
N'importe quel acte de notre vie, qu'il soit bon ou mauvais, a donc toujours ses conséquences. Le karma est une loi de compensation, pas de vengeance. Si quelqu'un a fait le bien, la loi récompense cette personne. Si quelqu'un a fait le mal, la loi le punit de façon à ce que la personne apprenne de ses erreurs et corrige son comportement. Le karma est donc une médecine qu'on nous applique pour notre propre bénéfice. Cette loi est donc nécessaire pour protéger notre propre liberté et la liberté de chacun. Si cette loi n'existait pas, vous pouvez imaginer le genre de monde que ce serait. Les gens qui font du mal continueraient de faire du mal sans aucune restriction. Ils feraient de ce monde un lieu inhabitable. Les gens qui font du bien n'auraient ni avantage ni bonheur. Le monde serait un lieu misérable. Ce serait l'anarchie totale. Heureusement, l'intelligence divine qui a créé cet univers, dans son infinie sagesse, a créé cette loi pour le gouverner. Pensez-vous que les gens comprennent cela? Pensez-vous que les gens comprennent comment appliquer cette loi correctement? Non, malheureusement non. Au lieu de s'incliner d'une manière respectueuse devant l'éternel Dieu, vivant qui a créé cette sage loi, les gens protestent, blasphèment, se justifient eux-mêmes, s'excusent sottement et se lavent les mains comme Pilate. Ils ne veulent pas comprendre que l'amertume qu'ils traversent maintenant n'est rien d'autre que le résultat de leurs actions passées. Aujourd'hui, il y a très peu de gens courageux qui admettent leurs propres erreurs. Cependant, face à ces protestations, le karma ne peut se modifier. Au contraire, il devient plus dur et plus sévère. La seule chose qu'une personne puisse recevoir est de la sympathie de ses amis. C'est tout. Nous devons nous rappeler que, quand on vient au monde, on apporte son propre destin. Les uns naissent dans des lits de plumes et d'autres dans la disgrâce. Si nous avons tué dans notre existence passée, maintenant on nous tue. Si nous avons blessé, à présent, on nous blesse. Si nous avons volé, à présent, on nous vole. Et avec la mesure que nous utilisons, nous serons mesurés. Nous réclamons la fidélité du conjoint quand nous-mêmes avons été adultères dans cette vie ou dans des vies précédentes. Nous demandons de l'amour quand nous avons été impitoyables et cruels. Nous demandons de la compréhension quand nous n'avons jamais su faire preuve de compréhension envers quiconque. Quand nous n'avons jamais appris à voir le point de vue d'autrui. Nous voulons un bonheur immense quand nous avons toujours été à l'origine de grandes tristesses. Nous aurions voulu naître dans un très beau foyer, avec beaucoup de commodités, quand, dans des existences passées, nous n'avons pas su offrir à nos enfants un foyer et de la beauté. Nous protestons contre les insulteurs, alors que nous avons toujours insulté tous ceux qui nous entouraient. Nous voulons que nos enfants nous obéissent, alors que nous n'avons jamais su obéir à nos parents. Le commérage nous dérange, nous voulons que personne ne nous critique. Cependant, nous avons toujours émis des critiques sur nos voisins et en avons blessé d'autres. En bref, nous voulons toujours ce que nous n'avons pas donné. Dans toutes nos vies passées, nous avons été mauvais et nous méritons le pire. Mais nous estimons que le meilleur doit nous être donné. Alors, quelle est la manière correcte de comprendre la loi du karma? Quelle est la manière correcte de l'appliquer? La loi du karma est très utile pour nous si nous apprenons à l'appliquer convenablement. En utilisant cette même loi, il est possible de modifier notre propre destin, car lorsqu'une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi supérieure lave la loi inférieure. Si nous modifions la cause, l'effet est également modifié. Le lion de la loi se combat avec la balance. Si nous mettons nos bonnes œuvres sur un plateau de la balance et sur l'autre les mauvaises, les deux plateaux auront le même poids où il y aura un déséquilibre. Si le plateau des mauvaises actions pèse plus que l'autre, nous devons mettre de bonnes œuvres dans le plateau des bonnes actions afin de faire pencher la balance en notre faveur. C'est ainsi que nous annulons notre karma.
faites de bonnes actions et vous pourrez payer vos dettes. Souvenez-vous qu'on ne paye pas seulement avec de la douleur, mais que l'on peut aussi payer en faisant de bonnes actions. Maintenant, vous comprendrez, mes chers amis, combien il est merveilleux de faire de bonnes œuvres. Il n'y a aucun doute que la juste manière de penser, la juste manière de sentir et la juste manière d'agir sont les meilleures choses. Nous ne devons jamais protester contre le karma. Ce qui compte est de savoir le négocier. Malheureusement, la seule chose que les gens font quand ils font l'objet d'une situation très amère est de se laver les mains comme Pilate. Ils n'ont rien fait de mal, qu'ils ne sont pas coupables, que ce sont des âmes justes, etc., etc., etc. Je dis à ceux qui se trouvent dans la misère de réviser leur conduite, de se juger eux-mêmes, de s'asseoir, ne serait-ce qu'un moment, sur le banc des accusés, et après une brève analyse d'eux-mêmes, de modifier leur conduite. Si ceux qui sont sans travail devenaient chastes, infiniment charitables, paisibles et serviables à 100%, il est évident qu'ils changeraient radicalement la cause de leur disgrâce. Et l'effet serait, par conséquent, modifié. Il n'est pas possible de changer un effet si la cause qui l'a produite n'a pas été préalablement modifiée. Car, comme nous l'avons dit, il n'y a pas d'effet sans cause, ni de cause sans effet. On doit toujours travailler de manière désintéressée, avec un amour infini pour l'humanité. C'est de cette façon que nous modifions les mauvaises causes qui provenaient de mauvais effets. Il ne fait aucun doute que la misère a ses causes dans l'ivresse, dans la répugnante luxure, dans la violence, dans les adultères, dans le gaspillage, dans l'avarice, etc., etc. Voulez-vous retrouver la santé? Soignez les autres. Quelques-uns de vos proches sont en prison? Travaillez pour la liberté des autres. Avez-vous faim? Partagez votre pain avec ceux qui sont dans une situation pire que vous. Beaucoup de gens qui souffrent ne pensent qu'à leur douleur et souhaitent y mettre fin. Mais ils ne se rappellent pas de la souffrance des autres. Et ils ne pensent même pas à remédier aux besoins de leur prochain. Cet état égoïste de leur existence ne sert à rien. La seule chose qu'ils obtiennent réellement, de cette manière, c'est d'aggraver leur souffrance. Si ces personnes pensaient aux autres, à servir leurs semblables, à donner quelque chose à manger à ceux qui ont faim, à donner quelque chose à boire à ceux qui ont soif, à donner des vêtements à ceux qui sont nus, à enseigner à ceux qui ne savent pas, etc. Il est clair qu'elles mettraient de bonnes actions sur le plateau de la balance cosmique pour la faire basculer en leur faveur, de sorte qu'elles modifieraient leur destin et porteraient le bonheur avec elles. C'est-à-dire que tous leurs besoins seraient résolus. Mais les gens sont très égoïstes, et c'est pour cela qu'ils souffrent. Personne ne se souvient de Dieu ni de ses semblables, sauf quand ils sont dans le désespoir. Et c'est quelque chose dont tout le monde a pu faire l'expérience. L'humanité est ainsi. Si cette loi est tellement simple à comprendre, et, comme vous l'avez dit, a été expliquée à plusieurs reprises auparavant, alors pourquoi les gens ne suivent pas cette loi? Pourquoi ne voyons-nous pas les gens s'entraider davantage, surtout dans la conjoncture actuelle? Vous avez raison. Chaque fois qu'un prophète, un avatar donne ce message, les gens le suivent pendant un certain temps et vous remarquerez peut-être que le monde devient un endroit meilleur pendant un temps. Cependant, comme le temps passe, les gens oublient cette loi. Pourquoi cela arrive? Chacun de nous porte en lui son plus grand ennemi, l'ego. Pensons un instant aux foules humanoïdes qui peuplent la face de la Terre. Ils souffrent horriblement, victimes de leur propre erreur. Ils ne feraient pas ces erreurs sans l'ego, ni ne souffriraient de leurs conséquences. La seule chose qui est nécessaire pour avoir le droit de vivre dans le vrai bonheur est, tout d'abord, de ne pas avoir l'ego. Certainement, quand il n'y a pas d'agrégat psychique à l'intérieur de nous, les éléments inhumains qui nous rendent si horribles et méchants, il n'y a pas de karma à payer. Et le résultat est le bonheur.
Il est également bon de savoir qu'une fois que nous avons éliminé radicalement l'ego, la possibilité de commettre un délit est anéantie. Et, par conséquent, le karma peut être pardonné. C'est l'ego qui porte les graines des erreurs actuelles et futures à l'intérieur de lui-même. De quelle façon pouvons-nous alors gérer cet ego ou l'empêcher de nous faire tomber dans l'erreur? La chose la plus facile est de détruire l'ego pour le dissoudre complètement. Pour cela, vous devez d'abord l'observer. Une fois que vous avez développé la capacité de voir les égos en action, à l'intérieur de votre propre psychologie, alors vous pourrez les détruire. Tous les effets de la vie, tous les événements, ont leur cause dans une vie antérieure. Mais nous devons nous rendre conscients de cela. Chaque moment de gaieté ou de la douleur doit être suivi d'une méditation, avec un mental calme et dans un profond silence. En conséquence, vous expérimentez le même événement dans une vie antérieure. Ensuite, nous prenons conscience de la cause de l'événement, qu'il soit agréable ou désagréable. C'est la meilleure façon de comprendre notre karma passé, et alors nous pouvons faire quelque chose pour l'équilibrer. Cependant, la plupart des gens commettent l'erreur de s'identifier avec les effets actuels et à oublier les causes qui ont créé ces derniers effets en premier lieu. Nous vous avons précédemment entendu mentionner le mot karma, mais nous savons qu'il existe aussi le mot dharma. Karma signifie loi de cause et d'effet. Telle cause, tel effet. Le mot dharma est différent. C'est aussi un terme sanskrit et il signifie récompense. Si nous faisons le bien, nous recueillerons de bonnes choses. Si nous semons dans une bonne terre, nous récolterons ce que nous avons semé. C'est évident. En plus de ce que vous avez déjà décrit, y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur la loi et comment elle est administrée? Les maîtres qui administrent la loi du karma sont des hommes parfaits. Des maîtres, dans le sens complet du terme, qui vivent en état de jinas. Ils sont des juges de conscience. Lorsque les maîtres du karma officient comme juges, ils utilisent le masque sacré en forme de tête de chacal ou de loup emplumé, symbole de la vérité. Le chef des prêtres du tribunal de la justice est le grand maître Anubis. Dans son travail, le chef de la justice est assisté par 42 juges de la loi. Le temple de la loi ne se trouve pas dans la troisième dimension, mais dans la cinquième dimension, dans ce qu'on appelle le monde causal. Là, il y a un livre de devoirs et d'avoirs pour chaque personne, dans lequel les bonnes et mauvaises actions sont notées minutieusement chaque jour. Celui qui éveille sa conscience peut voyager à voir ses corps internes, vers ce temple, et étudier son propre livre du destin. Les seigneurs du karma, dans les tribunaux de la justice objective, jugent les âmes pour leurs œuvres, pour des faits concrets, clairs et définitifs, et non pour leurs bonnes intentions. Les résultats sont toujours le plus important. Avoir de bonnes intentions ne sert à rien si les faits sont désastreux. La plupart des gens pensent que la loi est cruelle, froide. C'est loin de la vérité. La justice sans la miséricorde est tyrannie. La miséricorde sans justice est tolérance, clémence envers les infractions. Le karma est négociable. Si la loi d'action est de conséquence, si la némésis de l'existence n'était pas négociable, alors où serait la miséricorde divine? Franchement, je ne peux accepter une unité cruelle. Le réel, cela qui est toute perfection, cela qui porte des noms divers, tels que Tao, Aum, Inri, Sein, Allah, Brahma, Dieu ou plutôt Dieu au pluriel, etc., etc., etc. En aucun cas ne pourrait être sans pitié, impitoyable, tyrannique, etc. Pour toutes ces raisons, je répète d'une manière emphatique que le karma est négociable. Il est possible de modifier
notre propre destin, parce que quand une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi supérieure efface la loi inférieure. Si nous modifions la cause, l'effet est également modifié. Le lion de la loi doit être combattu avec la balance. La seule chose est de se rappeler que, si nous sommes miséricordieux envers les autres, la loi sera miséricordieuse envers nous. Cependant, si nous n'avons aucune pitié pour les autres, nous ne recevrons aucune pitié pour nos erreurs. Comme nous mesurons les autres, nous serons mesurés. C'est aussi pourquoi vous pouvez comprendre maintenant que dans la prière donnée par le grand maître Jésus-Christ, il nous recommande de prier ainsi. Notre Père, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont péché contre nous.